and gentlemen, je suis Gabby Logan et aujourd'hui ici pour vous présenter mon projet. Plus de 15 ans en préparation. Le cycle de la prophétie, Cycle of Prophecy pour les anglophones. Ce jeu sortira sur Kickstarter le 23 avril prochain à midi, heure de l'Est. Ne manquez pas Aurora, notre guerrière, Cosimo, notre magicien, Abinacle, notre sorcier et Alph, notre tireur émérite. Cycle of Prophecy, le premier vrai open world crawler pour toute la famille. À plus! King of the Hat, c'est un jeu qui se passe dans un monde où tout le monde est né avec un chapeau. Le chapeau contient votre âme et si quelqu'un saute sur ton chapeau, tu meurs. Le twist, c'est que le chapeau est aussi un arme. Et si tu lances à quelqu'un, ça va dégager leur chapeau et ça va devenir plus facile à sauter là-dessus. Mais il faut être prudent parce que chaque lancée peut être la dernière. Un jeu qui s'appelle Severnet, en fait c'est des équipes d'animaux qui s'affrontent dans différents types d'épreuves. C'est un jeu qui est prévu pour la famille ou les groupes d'amis. En fait on peut jouer entre 1 et 8 joueurs sur le même écran ou bien en ligne aussi. Il y a différentes épreuves, c'est par exemple capture de nuts où les différents animaux essayent de ramener des noix dans leur maison, ou le mode battle, ou encore le mode voleur aussi. En fait, c'est un jeu qui a été conçu pour être facile à prendre en main par n'importe qui. On a beaucoup d'expérience dans le jeu vidéo, ou pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça mélange le côté compétitif et coopératif, car c'est un jeu d'équipe basé sur la physique. Salut, je m'appelle Alexis, je suis le CEO de Chasing Rats Games. On est ici pour présenter notre jeu qui s'appelle Struggling. Contrôle le même drôle de personnage, une abomination vraiment étrange avec un petit look cartoon où ce que tous les niveaux sont basés sur une mécanique simple. On peut s'accrocher avec les bras sur toutes les surfaces, puis on doit naviguer, ramper parmi dans tous les obstacles avec un jeu physique-based. Tout est basé sur cette mécanique simple-là, puis ça crée des moments vraiment drôles, puis vraiment simples pour créer une expérience unique. Il y a une expérience unique qui laisse personne indifférent. Dans Tech Sport Era Known, vous jouez le rôle d'un spécialiste de sport technique. Vous offrez de l'aide à des clients en leur communiquant à travers une plateforme qui ressemble à Windows. Vous avez vos emails, vous avez votre web browser et vous êtes mené au cœur d'une conspiration. Vous devez choisir est-ce que vous voulez aider la corporation pour laquelle vous travaillez ou les activistes qui essayent de les descendre. La police est aussi impliquée, votre frère a besoin d'argent. Donc, c'est à vous de faire le choix de qui vous allez supporter et quelle fin vous allez atteindre. Pour qu'est-ce qui est de Legends of Iona, on a eu 500 likes de plus tout d'un coup. C'est les gens dans la communauté mondiale qui s'intéressent beaucoup à le jeu Phantasy Star. Ils ont entendu parler de Legends of Iona qui était fait par un fan. Et puis là, tout d'un coup, il y a beaucoup de monde qui ont liké notre page puis ont commencé à jouer à notre jeu. Les ratings sont intéressants. On a 7 ou 8, 7.5 sur 10 sur Steam, fait que c'est très, très bon. Et je vous encourage à jouer à Legends of Iona. Si vous voulez, on va vous donner des copies gratuites grâce à Crolet TV. PlayCraft, c'est un jeu de création de jeux. Vous pouvez créer votre propre jeu en 3D. Vous pouvez créer avec vos amis et ensuite partager tous vos jeux sur le Steam Workshop. C'est actuellement en développement, ça va bientôt être sur Kickstarter. Je vous invite à checker le site web playcraft.ca pour plus d'informations.